Coucou les petits bouts de chou, j'espère que tout va bien pour vous. Je reviens de la plage où j'ai fait des photos, la plage de... Où j'ai fait des photos... des photos. Désolée, mais quand il est bien chaud, j'adore le boire bien chaud. J'avais une petite robe que m'avait offerte une de mes collègues Léa. D'ailleurs, je lui fais un coucou si elle passe par là. Je regarde là-bas parce que j'ai le retour caméra. Je vous ai mis de l'autre côté pour pouvoir avoir une meilleure qualité. Donc j'espère que ça ira. Donc elle m'avait donné ça parce qu'elle ne la mettait plus. Je ne sais plus d'où elle vient. Du coup, en dessous, j'ai mis mon éternel débardeur noir. Ça, vous savez. J'avais mis mes petits... Ah non, elles sont dans la douche parce qu'elles étaient pleines de sable. Petite claquette Swarovski. Enfin, allez. Ah bah tiens, j'avais mis le bracelet aussi. Je l'adore celui-là. Allez voir sur mon Instagram parce que je trouve qu'elles sont jolies les photos. Il faisait beau, le ciel il était bleu. Il était pourtant que 8h du matin. Mais bon, la folle quoi. Donc je me suis maquillée avec la palette Lan London de Revolution Beauty. Là j'attends, je vous ai dit la paye pour prendre celle de chez Tammy. Et je vous retrouve. Qu'est-ce que c'est ça? Pour un haul. Qu'est-ce qu'on peut dire? Solde. Bah ouais, parce qu'en fait tout est soldé, je crois bien. À part un produit. Il y a 4 trucs, hein, c'est pas la folie. On va tout de suite commencer par ce sac. Vous savez que je suis à Stella Plage. Et l'une des dernières aires, c'est Sweetie, elle est allée se baigner, je te dis pas dans l'état. L'une des dernières aires, c'est l'air de la baie de Somme. Et. Voilà. Et sur l'air de la baie de Somme, il y a un Starbucks. Là, j'ai goûté une de leurs nouveautés pour l'été. C'est un espèce de truc glacé à la fraise. Et moi, je remplace par du lait de coco. Et je ne mets pas la crème fouettée, évidemment. Et ils avaient des soldes à 50%. Alors, vous savez, et vous n'êtes pas sans savoir, d'ailleurs, enfin, vous ne savez pas, que je bois beaucoup de café. Et du coup, j'avais acheté ça chez Nose. D'ailleurs, il est en train de tremper parce que, évidemment... Je m'en sers tous les jours ici. Et alors, j'en ai vu un chez Starbucks. La nana me dit... Alors, j'arrivais pas à trouver si c'était pour le chaud ou le froid. J'étais persuadée que c'était pour le chaud parce qu'à l'intérieur, il y a un petit dépliant qui dit « Attention, ça peut être très chaud. » Et elle me dit « Non, c'est pour le froid. » Donc, je ne sais pas. Donc, voilà la merveillance. Voilà la merveillance de la merveillitude. Au lieu de 12,95, je l'ai payé 6,48. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est écrit? Do not microwave. Ok. Hand wash only. Ok. Lavage à la main seulement. Ne pas mettre au micro-ondes. Ok. Starbucks machin. Ok. Manufactured. Ok. Bon, il n'y a rien de précisé. Donc, c'est comme ça. Voilà. À l'intérieur, je la trouvais magnifique. J'en avais vu une magnifique... À Canterbury, je ne l'ai pas prise. Elle était noire, je crois, avec des petites paillettes aussi. Mais bon, après, je peux en avoir plusieurs. Hein, c'est pas grave. Vous savez que les trucs réfrigérés, machin, thermos. D'ailleurs, vous m'avez toutes dit que c'était pas. Je m'en étais doutée. Celui que j'ai eu à la brocante, c'est pas pour le café, mais c'est une gamelle en fait. Il y en a qui m'ont dit que c'était pour des glaçons. Je pencherai pour la gamelle. Hein. Un gamelle des années 70. Regardez ma vidéo de brocante. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo il y a 3 jours. Alors, il y avait le petit dépliant comme ça, tu vois. Bon, bah, dans toutes les langues, hein, évidemment. Hein. Tu ne trouves jamais la tienne. Hein. Mise en garde. Et voilà, voilà. C'est ça que j'avais trouvé. Tenir la tasse hors de la portée des enfants lorsqu'elle est remplie de liquide chaud. Tout liquide chaud peut causer des brûlures. Ah, bah, j'avais bien lu. J'avais vu Hot Content, c'est un truc en anglais, mais bon, j'avais bien lu. Ne pas trop remplir de boissons chaudes. Cela pourrait entraîner un renversement du liquide et causer des brûlures à l'utilisateur. Si le produit dispose d'un couvercle à pression, veillez à toujours fixer correctement le couvercle à la tasse. À la tasse. Ah, c'est ce qu'ils appellent la tasse. Tout liquide chaud peut causer des brûlures. Voilà, je savais bien. Si le produit dispose d'un couvercle fileté, prière de toujours visser correctement le couvercle à la tasse. Ah, le couvercle à la tasse, ok. Tout liquide chaud peut causer des brûlures à l'utilisateur. Ils l'ont écrit 2 fois. D'accord, ils l'ont écrit 2 fois. Je me disais, mais je me radote ou quoi? Non, non, ils l'ont écrit 2 fois. Veillez toujours à ce que le couvercle soit fixé de façon sécuritaire et vissé fermement avant de boire. Bon, ben voilà. Donc, mais c'est vrai qu'on ne voit pas de paroi, pas de paroi isotherme. Hein. Je pense que c'est juste... mais bon, écoute, donc c'est qu'on peut mettre du liquide chaud. Je n'avais pas rêvé. Hein. Donc, voilà. Parce que moi, je suis plus pour le liquide chaud dans ces trucs-là au final. Même l'été, je suis beaucoup, bah, thé, café. Je ne suis pas beaucoup boisson froide au final. Mmh. Smoothies.
Tiens, je vais m'en faire un ce midi d'ailleurs. Donc voilà, je vais peut-être le garder emballé. Leur papier de soie, il est trop beau. J'aime trop. Donc voilà, donc je l'ai pris quand même 6 euros. Je me suis dit bon, et c'est vrai qu'à Canterbury, quand j'y étais allée, il y en avait un vraiment magnifique. Faut que j'aille, parce que vous n'avez pas les mêmes produits fatalement dans l'un et dans l'autre. Et puis t'as les mugs, bien sûr, les mugs de Canterbury. Là, t'as les mugs de Paris, hein, évidemment. On continue. Donc ça, c'était mon petit mug. Ensuite, je vous ai dit que je mettais du contour des yeux tout le temps. Bon, bah, ça, vous savez, en crème. Et que j'adore celui de chez Action à la bave d'escargot. Il ne coûte rien. Il est super. Ou le petit pot rose de chez Lidl, mais je ne le trouve plus. Donc, je suis allée chez Lidl, il n'y en avait pas. J'avais pris autre chose en attendant. Je suis retournée chez Lidl. Alors, il n'y avait plus rien du tout que de la crème visage, crème solaire, etc. Et je suis allée deux fois chez Action. Il n'y avait pas ma crème contour des yeux. Je me suis dit, bon là, donc, ce que je mettais, rigole pas, je mettais de la vaseline en fait, tu vois, un tout petit peu le matin. Ça hydrate à mort, enfin ça hydrate, ça graisse. Et le soir, j'en mettais en couche épaisse. Et c'est vrai que du coup, ça faisait un beau contour des yeux. Bon, moi, j'ai mes injections, donc ça bouge quand même. Hein. Elle avait dit. Hein. Mais là, vous voyez, donc du coup, c'est plus bombé là. Et voilà. D'ailleurs, j'y vais mercredi, je dois faire les rides d'amertume. C'est ça? Donc, je vais lui envoyer un message, là, savoir si je peux payer en deux fois. Et puis, savoir pour combien j'en ai aussi, parce que... Donc, tout ça pour dire... Pourquoi je vous parle de tout ça? Ben, que j'en ai eu marre. Et je me suis dit, tu vas sur Zalando. Et j'ai pris... Je me suis dit, allez, soyons crazy. À chaque fois, c'est marrant. Hein. C'est le essayer d'abord, payer ensuite qui doit faire ça. Tu sais, tu craques un peu sur des trucs que tu n'aurais pas essayé. Je crois qu'il y avait une petite réduc. Donc, c'est le Moisture Eye. Moisture Surge Eye. 96 heures hydrofiller. Concentré yeux hydro réimprégnant. 96 heures. Technologie lipide en sphère auto-réhydratante. Écoute, bon, le problème, c'est que du coup, ça part quand même très vite. Hein, parce que là, ça fait quelques jours que j'y suis. Donc, t'as tu vois, le petit flacon pompe. Du coup, c'est bien ce que t'en mets qu'un tout petit peu. Écoute, pour l'instant, j'ai pas à m'en plaindre. Hein. Je sais pas si... Je crois que ça coûte une vingtaine d'euros, ça. Et je crois que là, c'était 18. Je sais plus. Zalando, tu peux avoir des promos hein, sur les produits comme ça. D'ailleurs, j'attends encore une commande Zalando. J'avais commandé un sac en solde. Donc du coup, ce que je pensais faire, j'ai vu que souvent ça se faisait ça, un unboxing pour un produit. Genre souvent les gens ils unboxent des trucs un peu chez Rose quoi. Tu vois, genre une belle paire de chaussures ou le sac à main boy de Chanel quoi. Bah ce sera pas le boy de Chanel, hein, ce sera le Lacoste, mais il était en solde. Mais donc dites-moi, mais je pense que je vous le ferai comme ça. Je vous ferai un unboxing pour une, parce que là j'attends la facteuse. Je sais qu'on est pas facteuse, mais je sais pas si elle va arriver. Et puis ici, je sais pas, tu sais, c'est un peu... pour Pelop, et nous, on va aller promener. Je pense que... Bon, je vous le dirai après. Parce que là, tu vois, je me perds. Amiens, je suis passée à la Allo Sport. Et quelqu'un m'a dit, ne va pas à la Allo Sport, c'est nul. Et moi, j'adore. Tout est souvent bien, bien soldé. Donc là, 50%, il y en avait jusqu'à moins 80%, s'il te plaît. Donc, c'est un Jack and Jones. Jack and Jones, ça coûte 20 balles à la base. C'est une blague ou pas? Parce que là, c'est un t-shirt S... Vous savez que j'en ai un avec Johnny, pour moi la vie va commencer, je sais pas quoi, tu vois, vraiment les premières chansons de Johnny, quoi. Et là, franchement, l'écriture so 70s, la dégaine, la photo, la plage, j'ai adoré. Est-ce que il était vraiment sur la plage ou c'est incrusté, le décor, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai adoré, je me suis dit, non mais prends. Il y a des trucs super sympas là, à l'eau sport, hein. Il y a des joggings à moins 50%, etc. Mais bon, là... Les finances, c'était pas trop ça. J'ai déjà bien commandé. J'ai fait quelques soldes sur Zalando à venir. Mais voilà. Regardez. Elle a la tête de sa petite chipie. J'appelle ça la petite chipie, le petit chien écossais là. Tu fais dodo, mon bébé? Son oreille. Ça va, mon cœur? Fais dodo? On va aller promener. Oh, on pourra pas aller promener alors si tu fais dodo, si t'es fatiguée. Bon, moi, j'irai promener toute seule. Je mangerai des croquettes. Ou des carottes. Ou des pommes. Tu veux les carottes? Dans ta Styx. Non, elle est vraiment fatiguée, donc. J'ai dit les mots-clés, pourtant. Non, non, mais si tu dis les mots-clés, qu'elle ne... Ouh. Donc, voilà. Ouh, je te... Ah, bah oui, non, bah oui, je suis con. Je t'ai fait un zoom. Oh là là, qui est gueule. Tiens, bah, regardez le ciel comme il est. Eh, non, mais... Oh. Allez voir sur Instagram, les filles.
Mettez, créez-vous un petit compte Instagram, tiens. Ça coûte rien en plus. Moi, j'aime beaucoup. J'aime. J'ai pas TikTok, j'ai pas Twitter, j'ai pas tout ça parce que c'est beaucoup après. Hein. J'y passe déjà énormément de temps. C'est vraiment un truc que j'adore faire. Mais d'ailleurs, vous inquiétez pas si le make-up il est un petit peu. Je suis en train de me dire, c'est pour que sur les photos ça se voit bien. Alors, le fait calmer fait un peu d'acide hyaluronique dans les joues. Je sais pas si vous voyez du coup, c'est au niveau de l'highlighter que ça a été fait en plus. C'est vraiment. Et là, du coup, ça pouf. On ne voit plus que ça déjà que. Et alors là. Premier jour des soldes, la Caro, elle va quand même toujours faire un tour sur Zalando. Alors, il y a des trucs très intéressants. Il y a des trucs, c'est de la merde. Zalando, tu peux avoir des 5% de réduction ou 10. Donc ça, ça fait pas vraiment solde. Et sur la marque Karl Lagerfeld, tu peux aller jusqu'à moins 60%. Allez-y si vous voulez une belle pièce, les filles, parce que c'est vraiment de la super qualité. Karl Lagerfeld, Tommy Hilfiger. Et il y a aussi Ralph Lauren, ces trois-là. Marques-là, j'aime beaucoup les prendre sur Zalando. Et donc, il me fallait des paires de chaussettes parce que moi, je les achète chez Primark. Vous avez peut-être vu dans mes hauls Primark. Et sinon, je n'achète pas des chaussettes. Donc, ça tourne tout le temps. Mais Primark, on sait ce que c'est. C'est pas un truc de ouf avec les petits motifs Disney. Ça tourne tout le temps. Donc, puis moi, je fais quand même pas mal de marches. Je suis quand même toujours debout à l'école. Et mes chaussettes, au bout d'un moment, mais je vois mon pied à travers. Donc, moi, je les jette. Ou je les mets dans les bennes aussi. Peut-être que des fois, ils peuvent en faire du tissu. Enfin bref, toujours est-il. Que j'avais plus vraiment une paire de chaussettes ou des belles. Donc, je me suis dit, j'ai vu ça. Le pack de deux. Alors, par contre, est-ce possible que le pack de deux, ça coûte 50 euros? Soit 25 euros la paire de chaussettes brodées. Non, mais si. S'il te plaît, quoi. Donc, j'ai pris taille 35-38. C'est parfait. Moi, je fais un 38, mais c'est très bien. Et ça... c'était soldé à 30 euros. Ce qui est déjà beaucoup, ça fait 15 balles la paire. Après, je sais que quand on les achetait avant chez Lacoste et tout ça, des Burlington, tout ça, c'est quasiment ce prix-là. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Bah, c'est bien déjà. J'ai repéré des trucs, j'ai repéré un polo Lacoste, un jogging Lacoste et des baskets Lagerfeld. Elles ne sont pas soldées. Donc elles sont dans le panier. J'attends peut-être la deuxième des marques. En ai-je besoin? Non. En ai-je envie, oui. J'ai recommandé des baskets à plateforme Buffalo parce qu'elles étaient bien... non, Buffalo. No Name. Vous vous rappelez de la marque No Name? J'en avais. Je ne les portais pas. Je les ai revendues, s'il te plaît. Et là, j'ai recommandé les mêmes que j'avais il y a 15 ans. La folle. Bon, bah voilà. Bah, ça y est, c'en est déjà fini de tout ça. Suivez-moi sur Insta. Je vous fais des tenues. Ça, je verrai bien porter avec mon pantalon Levi's taille haute que j'ai eu, la 1370. Des fois, je vous fais des sondages sur Insta, si vous préférez des photos aussi, des photos là. Je pense que demain, je vais aller à l'endroit où j'avais pris cette photo. Alors, parce que ça, c'est moi qui l'avais prise. C'était la plage. Attends, je te mène devant parce que là, je crois qu'avec le refoulé, tu verras rien. En fait, c'est l'endroit ici, là, où il y a la flèche sur le côté. C'est la poste de Cuc. Donc, j'ai bien envie. Mais là, tout en bas, je pense qu'il y a plein de feuillage. Donc, je ne sais pas si je vais pouvoir me poser là. Et mettre mon trépied où il faudra falloir que je fasse vraiment du recul. J'ai envie d'aller là. Donc, je sais pas si ça vous dit. J'ai encore trouvé deux trucs abandonnés. Oh, attends, je te dézoome. J'ai encore trouvé deux trucs abandonnés ici. Donc, je pense que je vais y aller. La brasserie abandonnée, j'attendrai que les filles elles soient avec moi pour vraiment aller refaire des photos dans les chambres là-haut. Ensuite, vous ne me criez pas. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Faudrait que j'aille faire des photos carrément dans le Touquet. Tu sais où il y a le... Mais il faut que je me lève... Bah, de toute façon, je me lève tôt. Je me lève à 6h. Mais tu sais vraiment aller où il y a le manège, etc. J'aimerais bien qu'il ne soit pas fermé, le manège. Ça fait con, du coup, le carrousel, si c'est fermé. La fausse tour Eiffel, tout ça, tu vois. Bon, ça, c'est des trucs que vous avez déjà vus, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, donc là, je pense... Le petit programme, parce que vous aimez bien savoir ça. Je pense que je vais prendre... ma sweetie et qu'on va aller jusqu'au Touquet à pied. Je pense, je ne sais pas, j'hésite. Ou alors on y va... Je sais pas. Touquet ou Merlimont, Touquet, hein, à pied. Ça peut être pas mal. J'ai peur qu'elle ait trop chaud et qu'elle soit pas bien sweetie. Parce qu'elle a plus... J'allais dire, elle a plus 20 ans, mais elle les a pas. Elle ira pas jusque-là. Donc je sais pas, j'hésite. Soit je prends la voiture et on se balade. Mais bon, de se balader dans le Touquet avec sweetie, c'est un peu galère. Donc, vaut mieux aller sur la plage avec elle. Si. Je vais voir. Parce que déjà, là, elle a bien couru. Elle est un peu KO. Donc, en tout cas, voilà. J'essaie de trouver des petits points de vue intéressants pour vous faire des photos. Et puis, je suis allée chez le coiffeur. Je suis allée chez le coiffeur hier. D'ailleurs, je pense que vous le voyez.
Quelqu'un m'a dit, oh, t'as refait blond polaire. Non, non, parce que blond polaire, ça m'avait flingué les cheveux. Ma coiffeuse, elle m'a dit, je n'ai jamais vu tes cheveux aussi abîmés. Et c'est vrai que là, ils sont comme au moral. Mais ça va mieux, ça va aller. Je vous fais des gros bisous, les filles. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.